Témoignage. Un parage adéquat est le fondement du confort et des performances optimales dans l'étable. Prenez le temps de vous assurer que vos vaches peuvent se tenir debout et marcher confortablement. Et vos vaches vous retourneront la faveur en produisant plus de lait et devenant gestantes plus facilement. Quand les sabots d'une vache sont mal entretenus, elle est mal à l'aise et elle souffre. Ce malaise affecte sa rentabilité. Les coûts directs associés au mou de patte et à la boiterie comprennent un rendement de lait réduit, du travail supplémentaire, des frais de vétérinaire et, dans le cas où les médicaments sont nécessaires, le retrait du lait. Il y a des coûts indirects également, y compris l'intervalle de veillage prolongé et une augmentation de taux de réforme. Voici quelques commentaires de producteurs laitiers dans l'ensemble du Canada qui ont adopté des protocoles de soins de sabots dans leur exploitation. Nous croyons vraiment que ça améliore la performance de la vache. Nous sommes très fiers que chez nous, nos vaches vivent assez vieilles. Ce qu'on a, sans accident bête. Nous avons des vaches de 13-14 ans et elles sont en pleine forme. Nous pensons que le bon soin des sabots est un atout majeur pour la longévité, avec les autres soins, bien entendu. Le soin des pieds est un facteur crucial pour le bien-être de l'animal. Pour un producteur commercial, elle va être plus profitable, produire plus de lait si elle a des pieds en santé et qu'elle se porte bien sur ses pieds. Elle va faire plus de lactation et va performer mieux durant ses lactations. Pour nous qui faisons de l'exposition, cela a un impact dans le rond. Avec une bonne régie des pieds, tu vas gagner des places parce qu'elles se déplacent beaucoup mieux. En juillet, cette année, ça fait 20 ans qu'on est sur notre ferme chez nous. Et chez nous, deux fois par année, on taille des sabots. On fait ça dans le printemps et aussi à l'automne. On a la même personne qui fait nos sabots depuis 20 ans. On a beaucoup de confiance en lui. On trouve aussi que c'est une des choses qu'on fait dans notre régie à la ferme qui est le plus important. On ne saute jamais un taillage de sabots. On trouve que les économies par rapport à avoir des vaches en santé, ça vaut la peine. Pour la santé des vaches, c'est sûr, c'est un gros positif. Une vache qui n'a pas de problème avec ses sabots, elle a une fertilité qui est plus élevée, c'est plus facile à les mettre en veau. Des vaches qui ont des problèmes, ils ont une perte de production, et leur système immunitaire il est baisse, fait que c'est des vaches qui sont plus susceptibles à avoir des maladies. Un vache qui se tient sur des bons pieds et membres, il est confortable, c'est une vache qui va bien faire, elle va être profitable. Et pour nous autres, chez nous, le confort des vaches, c'est une des priorités.